Tout plaisir est pour moi de vous informer. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Un seul titre au sommaire de ce journal. L'eau coule à nouveau dans les robinets de la commune de Kimbonseke. La population bénéficiaire de l'eau de l'usine de Lemba Imbu a accueilli chaleureusement le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mundimukalin, qui était accompagné des élus du peuple. C'est à suivre dans ce journal. Une fois de plus, bonjour et merci d'être avec nous. Le gouvernement de la République est déterminé à accélérer la mise en œuvre des projets de développement financés par l'extérieur. C'est dans ce cadre que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde-Kengui a présidé à la cérémonie de signature des contrats de performance avec les unités de gestion de ces programmes. On en parle avec Patty Tondongo. Redresser la contre-performance dans l'exécution des différents projets de développement financés par l'extérieur, c'est le souci permanent du gouvernement congolais. Accélérer la mise en œuvre efficiente et efficace de tous ces projets en cours d'exécution, c'est le but de la signature du contrat de performance avec les coordonnateurs des unités de gestion de tous ces projets financés par la Banque mondiale, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique et le Fonds international pour le développement agricole. Pour le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde-Kengui, qui a présidé cette cérémonie pilotée par le ministère des Finances, ses signatures marquent un pas de plus dans les efforts du gouvernement de réformer les systèmes économiques, surtout en matière de gestion des ressources extérieures. Les principaux engagements pris par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État devant la nation et à qui j'exprime mes hommages les plus déférents, mettre l'accent sur l'accélération des projets de développement en faveur des populations. Un des défis auxquels nous devons cependant faire face est celui d'améliorer l'état général d'exécution financière et physique des projets, ainsi que des différents programmes du gouvernement. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, a souligné la nécessité pour le gouvernement de pallier faible taux d'exécution de projets. Il a en outre préconisé la mise sur pied d'un plan d'action pour le renforcement du suivi. On prépare à cette cérémonie quelques membres du gouvernement et les délégués des bailleurs de fonds. En ce jour, à Goma, la ministre de la Justice a fait l'évaluation de l'état de siège. Rose Mutombo Kiesse a fait également un état général du fonctionnement de l'appareil judiciaire caractérisé par le manque des magistrats. Chimène Dondo. Dans la suite du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde-Kengui, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde le Sceau, Rose Mutombo Kiesse, pour faire une évaluation de l'état de siège 16 mois après. Au terme de cette mission, à Goma, Rose Mutombo a fait le point du fonctionnement de la justice pendant cette période de l'état de siège. D'une manière générale, la justice a mieux fonctionné, surtout qu'on a eu le temps de prendre certaines circulaires qui ont permis à ce que les choses puissent changer au niveau des juridictions militaires et civiles. Dans mon secteur, c'est le problème du manque de magistrats qui persiste encore, le problème des surpopulations dans le milieu carcéral et surtout aussi le problème d'approvisionnement des prisons qui commence parfois en retard et que nous allons y veiller pour qu'on puisse trouver des réponses à tous ces défis-là qu'on doit relever. Pour Rose Mutombo Kiesse, il y a un problème sérieux dans son secteur. C'est notamment le problème de manque de magistrats et celui de la surpopulation dans le milieu carcéral. Réagissant à la question sur le concours de magistrats, la patronne de la justice nationale a affirmé que ce concours aura bien lieu le dimanche 9 octobre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Le Conseil supérieur de la magistrature a publié les différentes dates pour la tenue de ces concours.
Dans l'actualité, toujours, la dynamique progressiste de l'opposition vient de saisir la Cour pénale internationale et ce concernant une plainte contre Paul Kagame. Cette structure dénonce l'agression de la République démocratique du Congo face à son voisin, le Rwanda. Point n'est besoin d'un dessin pour désigner l'agresseur dans la partie est de la RDC. Il s'agit bel et bien du Rwanda et son président Paul Kagame. Le multiple rapport des ONG et organisations indépendantes, y compris les experts de l'ONU, l'attestent. La dernière en date, le cri de vérité du chef de l'État à la tribune des Nations Unies. Et le million des morts constatés mérite réparation. C'est ainsi que la dynamique progressiste de l'opposition républicaine vient de saisir la CPI via sa représentation à Kinshasa pour que le coupable désigné soit déféré devant les instances de cette juridiction internationale puisqu'il s'agit des crimes de guerre. Maître Constant Mutamba, président de la DIPRO, fait le point devant la presse. La question de l'intégrité territoriale de notre pays dépasse des bords politiques. Et en tant que républicains, puisque nous n'avons qu'un seul héritage commun, nous avons considéré que nous devrions, au-delà de jouer au pleurnichard, nous avons résolu de saisir la justice pénale internationale, les instances judiciaires internationales, pour que les auteurs des forfaitures qui sont perpétrées au quotidien, qui endeuillent au quotidien nos populations dans la partie est du pays puisse en répondre. Les immunités ou règles des procédures spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne en vertu du droit international n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence sur le présumé coupable, explique l'article 27 du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Les travaux de la retraite de la Commission de droits de l'homme du Parlement se sont clôturés le lundi 26 septembre 2022 à Kisantu. Un plan de travail a été adopté par les participants afin de promouvoir les droits de l'homme en République démocratique du Congo. Robert Ndaye, reportage. Retraite de 3 jours à Mbuela Lodge, première d'une série prévue pour cette session budgétaire qui devrait aboutir à la validation d'un plan d'action pour la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale, a connu la participation des acteurs et partenaires impliqués dans la lutte contre la criminalité en République démocratique du Congo. Pendant 3 jours, les participants ont mis en place un chronogramme pour la mise en œuvre de l'état des droits. Organisé par la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale, avec l'appui du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme, cette retraite avait pour objectif d'identifier les lois prioritaires à faire voter, mais surtout établir une feuille de route pour un plaidoyer au sein du Parlement et auprès du gouvernement, précise le président de la Commission des droits de l'homme, honorable Simon-Pierre Iyanano. L'Assemblée, à travers le premier vice-président, l'honorable professeur Mbata, est venu ouvrir cet atelier, s'adresser aux partenaires de la société civile, mais aussi aux partenaires du système des Nations Unies, pour montrer l'importance que le Parlement congolais, surtout la Chambre basse, accorde à la question des droits de l'homme. Nous allons travailler pour que nous puissions doter notre commission d'un agenda de travail jusqu'aux prochaines élections. Ouvert par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur André Mbata Betukumesu, pour promouvoir davantage les droits humains, les participants ont suivi plusieurs interventions. Les constitutionnalistes, André Mbata a précisé que l'Assemblée nationale procédera à l'entérinement de nouveaux membres de la Commission nationale des droits de l'homme. En termes de loi, le Parlement a adopté des dispositions qui visent la promotion des droits de l'homme. En entérinant les nouveaux membres de la Commission nationale des droits de l'homme, le Parlement aura contribué à renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme dans notre pays. Bien avant, le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Abdoulaye Aziz, a salué la tenue de cette retraite qui permettra à la Commission de s'approprier les questions urgentes des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Pendant 3 jours, l'émission de la Commission Fonction parlementaire de promotion et protection des droits de l'homme, des matières bien expliquées par les experts, tous repartent de Mbuela Lodge bien outillés et capables d'affronter cette session budgétaire.
Dysfonctionnement à l'Assemblée provinciale du Tanganyika, insécurité dans le Grand Katanga et le conflit de compétences entre l'autorité coutumière et les animateurs des ETD, les élus de l'ex-province du Katanga réunis au sein du rassemblement des députés du Katanga ont saisi le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Okito. On en parle avec José Baïtombo. De puiser l'information à la source concernant les efforts fournis par les gouvernements de la République pour résoudre le problème sécuritaire et ceux liés à la gestion de la territoriale, un échantillon représentatif des parlementaires de province issus de l'ex-Katanga, réunis au sein du rassemblement de députés katangais avec en leur tête l'honorable Martin Kabwelulu, ont au cours de ces échanges de plus de 2 heures. Avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, procéder au décryptage de la situation aux sécuritaires du pays en général et de l'espace Grand Katanga en particulier, avec en toile de fond les problèmes de ces 4 provinces, les Tanganyika, les Lualaba, les Haut-Lomami et les Haut-Katanga. Alors il était question d'abord de l'insécurité grandissante dans toutes les villes du Grand Katanga. Toutes les villes, il y a des viols, il y a des vols, il y a des assassinats. Alors nous avons mis au courant le vice-premier ministre de tout ce qui se passe. Lui, en tant que gestionnaire du territoire de la République, il doit prendre des dispositions là-dessus. Le deuxième point, nous avons tablé sur la question de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Une autre question que nous avons traitée, c'est la question des limites. Il y a des provinces, notamment la province du Lualaba et la province du Tanganyika. Il y a des territoires qui se disputent des limites. Et nous avons trouvé que c'est tout à fait bon que nous puissions échanger directement avec le vice-premier ministre, que nous puissions avoir des réponses claires et nettes. Et immédiatement. Le vice-premier ministre était attentif sur tous les points que nous avons traités, vraiment attentif. Nous avons mis une petite commission de suivi et dans les jours qui viennent, il pourra répondre. Mais sinon, nous avons été satisfaits sur les réponses que nous avons eues aujourd'hui. Les gouvernements Samalou Kondé suivent de près la situation sécuritaire du pays, mettre fin à toute poche d'insécurité, que ce soit dans les grands Katanga, que sur toute l'étendue du territoire national, reste la préoccupation majeure, a rassuré Daniel Asselo Kitoa Koy à ses hôtes. Célébration journée mondiale du tourisme le 27 septembre de chaque année. En République démocratique du Congo, le ministre du tourisme, Modero Ntsimba, a dans son adresse sollicité la relance des activités. Célébrant cette journée mondiale, l'occasion nous est donnée une fois encore de confirmer que le tourisme a été et reste porteur d'opportunités pour les populations partout dans le monde. Cependant, cette année, nous dressons aussi les constats particuliers que nous ne pouvons pas revenir à nos habitudes d'avant, la crise sanitaire de COVID-19 étant passée par là. Il faut donc repenser le tourisme. C'est d'ailleurs le lieu ici de rappeler que la commémoration de la Journée mondiale du tourisme 2022 se déroule dans des conditions particulières caractérisées par la sortie progressive de la crise sanitaire mondiale qui n'épargne aucun pays du monde avec la pandémie de COVID-19. En s'appropriant le fait qu'il ne sera pas facile de repenser le tourisme, nous devons nous rassurer que la démarche est déjà bien engagée. La crise a été une inspiration et un catalyseur de la créativité. La pandémie a accéléré la transformation du travail avec son lot de défis, mais en offrant aussi une quantité de possibilités que la reprise du tourisme profite à un nombre toujours plus grand de personnes. Comme le souligne le thème, repenser le tourisme, le moment est donc venu d'engager cette transformation ensemble. Célébrons l'avenir du tourisme dans notre pays et agissons pour en faire un véritable pilier de la diversité économique.
L'eau coule à nouveau dans les robinets de la commune de Kimbanseke. La population bénéficiaire de l'eau de l'usine de Lemba Imbu a accueilli chaleureusement le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze Mukaleng. Ce dernier était accompagné des élus du peuple. Reportage. La majorité de cette jeunesse de la commune de Kimbanseke, Sipatout, a vécu sans voir l'eau gère dans les robinets depuis plusieurs années. Grâce à l'usine de Lemba Imbu opérationnelle, depuis le 28 août dernier, la situation n'est plus restée la même. Une satisfaction totale dans le chef de la population qui a réservé un accueil chaleureux au ministre des Ressources hydrauliques et électricité qui a assuré les travaux de remise en service de cette usine. Le patron de l'énergie est venu en mission d'inspection dans une parfaite collaboration entre l'exécutif et le Parlement, les élus du peuple. Le comité de gestion de la régie des eaux était de la partie. Et nous sommes joyeux de voir la population en effervescence en voyant les résultats justement de l'usine de traitement d'eau de Lemba Imbu. C'est une première étape. Donc aujourd'hui, nous sommes à Kimbanseke. Mais demain, il y aura d'autres bénéficiaires. Tout régime politique, tout gouvernement a une seule vocation, celle de réduire la misère, n'est-ce pas, de tout un peuple. Dans ce contexte-là, nous disons merci, n'est-ce pas, à l'exécutif. Nous les encourageons. Et concernant la desserte en électricité, ce haut cadre de l'Union sacrée de la nation, Olivier Mwenze Mukaleng, a une fois de plus rassurer la population. Il y a un problème de déficit, mais il y a aussi un problème d'assainissement du réseau. Je rappelle ici à la population de Kinshasa tout entière que nous avons un projet que nous avons lancé aux côtés du chef de l'État en juillet de l'année dernière qui prévoit de ramener les 150 mégawatts de la station de Zongo 2. Selon le directeur général de la régie des eaux SA, Jonas Didier Ntatu Salabiakou, les problèmes de fuite sont en cours de traitement. Jusque-là, seulement 30 km de réseau ont été placés pour rejoindre les vieux réseaux de la régie des eaux dans la commune de Kimbanseke. Et puis, cet atelier d'insertion professionnelle, les apprenants de EREFT sur la colline inspirée ont eu des réponses exactes à leurs préoccupations. Edith Chala. L'école régionale post-universitaire d'aménagement et de gestion intégrée des forêts et territoires tropicaux, EREFT en sigle, interroge ses anciens étudiants sur leur performance de terrain, question d'améliorer les offres de formation. Et pendant 5 jours, ils suivront des modules susceptibles de les aider à améliorer leur employabilité. C'est le sens de cet atelier sur les thématiques d'insertion professionnelle, des présentations qui remettent à niveau ces 55 participants pour un rendement plus efficace. L'EREFT veut actualiser ses formations, actualiser ses experts qu'il a formés. Et donc, au vu des enjeux nouveaux dont l'EREFT est conscient, et dont le RADI est conscient, il fallait qu'on ait une réunion comme celle-là qui concerne les grandes questions environnementales, les changements climatiques, les enjeux d'énergie renouvelable, la transition écologique, agroécologique, la transition technologique. Donc tout ça, ce sont les thématiques qui vont d'une façon ou d'une autre transparaître dans les échanges. Avec l'appui des différents partenaires, dont la coopération allemande, l'EREFT compte jouer son rôle de formation des étudiants capables de donner des réponses aux questions de société, d'actualité sur le réchauffement climatique et la protection des forêts tropicales. Des orientations sur la gestion de la chose publique, c'est ce que les ministres des Finances et du Budget de la province du Haut-Katanga viennent de recevoir auprès du premier président de la Cour de compte, Jimmy Munganga, au siège de cette institution supérieure de contrôle de la RDC. On en parle avec Nancy Roba. C'est dans son cabinet de travail que le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Ngwaka, a reçu en audience ce lundi 26 septembre 2022 les ministres des Finances et du Budget de la province du Haut-Katanga. Au sortir de cette audience, Kwesele Chomachoma, ministre provincial des Finances du Haut-Katanga, s'est confié à la presse. Nous étions ici pour recevoir des nouvelles orientations de travail et comment nous devons exécuter les budgets pour atteindre la bonne gouvernance. Nous sentons vraiment la rigueur parce que toute province qui ne va pas se soumettre, bon, il sera habité à des difficultés liées à la loi.
On sent vraiment que le premier président de la Cour des comptes est là pour faire respecter la loi et donc toutes les provinces doivent se soumettre. Quant au président de la Chambre déconcentrée de Lubumbashi, Onongue Kaye Wakaye, Christian, il s'est félicité du fait que les provinces relevant de la juridiction de sa Chambre font des efforts pour être en règle avec la Cour des comptes en matière des transmissions. Le premier président l'a souligné, les provinces qui sont dans ma juridiction se comportent plutôt bien. La province du Haut-Katanga ici est pratiquement en ordre. Elle avait déposé le projet de déportation et édition des comptes à temps, hein, pour l'exercice 2021. Et la Cour des comptes a même produit un rapport général 4AC qui est même déjà envoyé à Lubumbashi, à l'Assemblée provinciale et au gouvernement provincial. Au terme de leur visite, le premier président de la Cour des comptes a pris soin de remettre à ses hôtes un exemplaire de la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes pour un travail harmonieux. À bientôt, les cadres et membres de l'UDPS auront leur carte de membre. En prélude de cette opération, le secrétaire général de l'UDPS a procédé à la remise des registres d'identification des membres. Alain Bikaï. La force d'un parti politique réside dans sa capacité de mobilisation. Les cas illustratifs, c'est celui de l'UDPS Tshisekedi qui chapeaute Augustin Kabuya. En l'espace d'un mois, ce parti des masses de la République démocratique du Congo a tenu plus de 6 manifestations populaires sans une forte sensibilisation. Ce qui prouve que l'IDP se porte mieux sous Augustin Kabuya et son leadership rassembleur s'affirme davantage à la tête de cette grande machine politique. Soucié de mettre de l'ordre et maîtriser l'effectif des membres de son parti, le numéro 1 de l'IDP a procédé à la remise des registres d'identification des cadres et combattants aux présidents cellulaires et sectionnaires en présence de leurs présidents fédéraux. Question de se mettre en ordre utile pour les échéances électorales de 2023 et doter les partis d'une base de données fiable. Une opération qui précède celle des ventes des cartes des membres. À cet effet, il a appelé les fédéraux et présidents sectionnaires à coopérer avec les services d'intelligence pour dénoncer les coulouna qui ternissent l'image du chef de l'État. Concernant les fausses allégations des détracteurs du DG de Sokimon, nouvellement nommé, Augustin Kabuya précise que ceux qui ont pillé cette entreprise ont perdu ses jeunes formés à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences, département de mathématiques info. Le cas de Bernard Mwaka de la DGI en est une preuve éloquente qui prouve que l'IDPS regorge des cadres bien formés. Pour ce faire, il a appelé la nouvelle équipe à la tête de Sokimon de procéder par un état de lieu de cette entreprise avec l'accompagnement de l'IGF. À Kinshasa, plus précisément dans la commune de Ngaliema et Bandalungwa, un pont a été inauguré pour faciliter la traversée sur la rivière Makelele entre les quartiers Luboudi et Kanluka. On en parle avec Willy Atunakov. C'est grâce à l'inauguration samedi 24 septembre 2022 d'un pont moderne à béton armé jeté sur la rivière Makelele après plusieurs décennies de calvaires endurés en période pluvieuse que les habitants des quartiers Luboudi à Bandalungwa et Kanluka voisins en Ngaliema peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. Construit à l'initiative et sur fonds propres de Lévi Paï, un jeune acteur de développement des Bandalungwa et digne fils du terroir, cet ouvrage de franchissement qui porte son nom a été ouvert au passage après la traditionnelle coupure du ruban symbolique. C'était à la grande satisfaction de la population riveraine en liesse. Tout ce que nous faisons, c'est pour accompagner la vision du chef de l'État, Fatih Béton, le peuple d'abord, et la vision du gouverneur de Kinshasa, Gentil Ngobila, Kinshasa Bopeto. Vous allez la quatrième vision du gouverneur de la ville, papa Gentil Ngobila, Kinshasa Bopeto. Les principaux bénéficiaires de cet ouvrage ont, quant à eux, salué l'initiative de Lévi Mpaï, ces natifs des Bandalungwa qu'ils appellent affectueusement Chouchou des Bandal. Signalons que la construction de ces ponts
long de 40 mètres sur 3 mètres de largeur par Lévin Pailly, cadre de l'ACP, parti cher au gouverneur de Kinshasa, Gentil Ngobila Mbaka, s'inscrit dans le cadre de la poursuite de ses actions sociales à impact réel et visible déjà menées, telles que les travaux d'assainissement et les forages de puits d'eau potable inaugurés tout récemment à Bandalungwa. En santé, accès à une contraception saine et adaptée pour tous en République démocratique du Congo, c'est le thème choisi cette année lors de la célébration de la Journée mondiale de la contraception. Occasion pour le ministre de la Santé publique, hygiène et prévention, Jacques Mbungani, de faire la vulgarisation de la contraception et de présenter le plan stratégique sur la planification familiale et les engagements du gouvernement Eurodépend. Panda nous en dit plus. Contraception, un des moyens par excellence contre les grossesses indésirables pour assurer la planification familiale et parfois éviter les maladies sexuelles. Le 26 septembre, journée mondiale dédiée à la contraception, placée sous le thème mondial accès à une contraception saine et adaptée pour tous en RDC édition 2022, était l'occasion de faire la vulgarisation de méthodes contraceptives, présenter le plan stratégique national sur la planification familiale au Familial Planning FP 2021-2025 et confirmer également les engagements de la RDC Horizon 2030. Une façon pour les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention d'appuyer la couverture santé universelle. L'objectif de cette campagne mondiale annuelle est de mieux faire connaître la contraception à chaque personne se trouvant dans le besoin et surtout de permettre aux femmes de faire des choix éclairés. La célébration de ce jour coïncide avec un triple événement, la confirmation des engagements de notre pays en faveur de la planification familiale d'ici 2030, la vulgarisation du nouveau plan stratégique PF 2021-2025. Notre pays reste à ce jour l'un des pays à forte mortalité maternelle, estimé à 693 pour 100 000 naissances vivantes. Avantage des méthodes contraceptives, oui, mais tout ne s'adapte pas à tout organisme naturel. C'est une contraception adaptée parce que chacun peut choisir la méthode qui lui convient en fonction de son état de santé, en fonction de ses besoins. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui ont des maladies chroniques qui vont peut-être les empêcher. Avec la grossesse, ça ne va pas l'aider. Ça va peut-être compliquer qu'une personne comme ça. On va étudier quelle est la méthode la meilleure qui va convenir avec son état de santé. Tous pour la planification familiale en vue d'une vie de couple harmonieuse. Lancement le lundi 26 septembre du séminaire à l'intention des agents et cadres de l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC, en sigle par le directeur général Ezekiel Bidoya. On en parle avec Mireille Ndeke. Une sensibilisation sur les missions élargies à cet organe séculier du ministère de l'Entrepreneuriat s'avère indispensable. Après plusieurs formations de renforcement de capacités en l'intention de tous les acteurs dans la promotion de PME, l'heure est aux agents et cadres de l'ANADEC qui vient de bénéficier de ce séminaire lancé par le DG de l'ANADEC, Ezekiel Bidoya, avec la participation des directions provinciales en mode visioconférence pour des échanges devant permettre aux participants à s'approprier les attribution de différentes structures, à avoir une même compréhension et de dégager les passerelles de collaboration entre les entités nationales et provinciales. Le gouvernement de la République a transformé l'Office de promotion des petites et moyennes entreprises à l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat pour le mettre en phase avec la vision du président de la République, celle de promouvoir l'entrepreneuriat national. Et donc à la suite de cette transformation en interne, il y a une nouvelle organisation qui a été mise en place. Et donc ce séminaire a pour but de pouvoir permettre aux responsables de s'imprégner de cette nouvelle organisation, de ces nouvelles structures ainsi que job description, pour que l'homme ANADEC puisse également changer
et se mettre en relation directe avec cette nouvelle organisation. Dans la même optique, le directeur des ressources humaines à la NADEC a interpellé le cadre et agent à l'amour du travail, socle de toute réussite. Après avoir rompu avec le passé sombre de l'OPEC, l'arrivée de la NADEC est un moment d'espoir et d'expérience pour un avenir radieux, a martelé le DG Ezekiel Bidoya, qui a également remercié en premier le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, Maître Eustache Mouranzi, pour avoir conduit ce processus jusqu'à son aboutissement. La grande famille politique de l'Union sacrée se consolide de plus en plus dans la province du Congo central. Les coordinations de 10 territoires de cette province ont été présentées aux militants le week-end dernier. Suivez. On commence par cette marche de militants des partis politiques membres de la plateforme Union Sacrée et la Nation, partie de la place Le Copain en Voidou jusqu'au chaudron Amikongo dans la commune de Matadi. Après ce moment de circonstances, le coordonnateur provincial de l'Union Sacrée et la Nation, Pichu Bikembo, procède à la présentation de tous les membres de la coordination venus de 10 territoires et de 2 grandes villes de la province du Congo central. Dans son adresse, il remercie le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son combat du peuple d'abord et pour le développement du pays, et les militants pour la confiance placée en lui, avant d'appeler à la cohésion et au soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'en appelle tous au soutien du chef de l'État, parce qu'il mérite l'espérance, il mérite l'espérance. Donatien Kachalala, un haut cadre de l'IDPS venu de Kinshasa, vante des réalisations du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec un bilan largement positif. Le représentant du gouverneur de province Guy Bandundungidi, son directeur de cabinet adjoint Joseph Tridi Kanimi, promet de faire rapport au gouverneur de province qui est représentant de l'autorité morale en province pour qu'il trouve des solutions idoines. Et dans la province du Haut-Katanga, pour terminer, Joël Mukomba Mata est le nouveau directeur provincial de l'Institut national de préparation professionnelle dans cette partie du pays. La cérémonie de remise reprise entre le directeur sortant Jean-Marie Mouloumé et le directeur entrant Joël Mukomba Mata a eu lieu en présence des directeurs de la direction générale et les agents réunis pour la circonstance. On en parle dans ce reportage. Je vous le disais, Joël Mukomba Mata est le nouveau directeur provincial de l'Institut national de préparation professionnelle dans le Haut-Katanga. La cérémonie de remise reprise entre le directeur sortant Jean-Marie Mouloumé et le directeur entrant Joël Mukomba Mata a eu lieu en présence des directeurs généraux et des agents réunis pour la circonstance. On en parle dans ce reportage. Merci de nous avoir suivis. Nous reviendrons plus de détails dans nos prochaines éditions avec cette activité. Ce journal a été réalisé par Patrick Bakwila et Papi Voilé, à l'équipe technique Barbosa, à Masela, Henri Alimassi, Ruben Kumbu et Émile Zola. Ce journal a été coordonné par Jacques Abouaba Mukumina Seduga. L'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. Excellente suite de programme sur nos antennes. Au revoir.